Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes notre sur Manuteur Newbie pour une petite vidéo découverte de la part d'Atashi, puisque nous sommes sur un jeu que je connais déjà bien. Mais Atashi va nous en parler plus en détail. Oui, salut. C'est un MOBA. Je voulais jouer à un MOBA et il voulait pas jouer à Smite. Je voulais pas jouer à LOL. Et du coup, bah, on a pris Hero of the Storm parce qu'en plus les graphismes ils sont mignons. Et j'ai un dieu du métal! Enfin bref, voilà. C'est pas un dieu, c'est un tauren. M'en fous, je trouve qu'il ressemble à un dieu du métal, alors c'est Donc, pas stylé. Je vous emmerde. Bon bah Mais je commence juste à jouer à World of Warcraft, hein, s'il te plaît, laisse-moi un petit peu, voilà. Parce que moi, ce que je farm surtout au niveau de Battlefield, Net. bref, Battle.net, c'est surtout Hearthstone. Voilà. Tu peux cliquer sur Play quand tu veux. Non. Donc Heroes of the Storm, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui dorment dans le fond, je vous invite à aller voir la vidéo découverte que j'avais fait il y a de ça un an, je crois. Pas loin. Ah, t'avais fait une vidéo découverte! Ouais, avec le très cher Musaren. D'accord. Je crois, je sais plus si c'était Musaren ou Fox qui était avec moi, enfin bref. C'est pas très important en soi, mais il me semble qu'on était trois, il devait même y avoir Yorga. Et donc du coup, je vous invite à regarder ça pour de plus en plus d'explications. Pour ceux qui connaissent le monde du Dota mais qui n'ont jamais dosé ce jeu-là, je vous conseille de franchement vous pencher sur le sujet. Pour cette magnifique vidéo découverte, on joue sur la toute nouvelle map, c'est magnifique. On a de la chance. Et évidemment contre l'IA, on va pas s'embêter à jouer avec contre des joueurs avec une petite attachie niveau 1. Eh, ça va, hein? Hein? Moi je joue bien, je jouais bien à Smite, hein. Ouais, mais Surtout. là t'as fait que le tuto en fait sur Heroes. Oui, enfin avant, ok, Smite, avant j'étais nulle parce que j'avais un PC de merde. Maintenant que j'ai un bon PC, je me débrouille pas trop mal. Maintenant Au que t'as une MOBA, vraie ça souris. va. Oui, en plus, j'ai une vraie souris, les gens. Parce que j'ai compris pourquoi j'étais nulle au FPS. Enfin, c'est plutôt Méa, mais je vous invite à regarder la dernière vidéo de Payday, vous comprendrez mieux. Et voilà. Mais du coup, maintenant j'ai une vraie souris. D'ailleurs, merci Wimanity, hein. C'est Voilà. ça, on a eu l'occasion de voir en off une magnifique courbe de progression au changement de souris. Bien, Préparez-vous contre alors, elle. Attends, c'est débloqué. Choisissez Ouais, c'est débloqué, vaillant, c'est super. Que le temps a passé depuis. Quoi? Qu'est-ce que je dois choisir? Un Ah. talent. Ouais, tu choisis un talent. Augmente la portée de glissade, on s'en fout. Ça me paraît bien. Réduit les dégâts des attaques de base subies. Ouais, voilà, ça je veux bien. Ah Non, non, c'est non, une chèvre! c'est une chèvre, elle s'appelle Piquette. Putain, mais elle est trop belle, je la veux! Tu peux pas. Tu Pourquoi? peux pas, c'était une monture offerte pour tout achat effectué sur l'alpha ou la bêta du jeu. Je suis deg. T'es deg. Moi, je dois aller où déjà? Putain, je connais rien. Y a pas de lane façon League of Legends ou Smite. Y a vraiment. La méta au niveau des lignes est vraiment, vraiment chaotique. Et c'est ça qui est appréciable. J'ai pas fait. Je vais augmenter. Attends, 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 je connais pas mes sorts, moi. C'est pas grave, ça c'est quoi? On est contre les bots. Oh, Slay! Z! Et eux. Allez! Deux coups d'affilée. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite diminuer les textures parce que quand je filme pas, ça va, le jeu il tourne très bien, il tourne à 60 FPS, de toute façon mon écran va pas au-dessus. Mais en filmant, j'ai du mal à rester au-dessus de 25. Le jeu à fond est très très gourmand, mais il est accessible aux plus basses configs. Oh, tu peux régénérer avec lui. Pardon, excusez-moi. Oui. On profite hein, d'Atashi qui découvre le jeu. Ouais, c'est ça. J'en profite Attends. pour parler vite fait de cette map pour ceux qui vont pas sur le jeu. Elle est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on peut pas taper l'idole, le Nexus, enfin peu importe le MOBA auquel vous jouez, on peut pas taper Je suis l'objectif. immobilisé, putain! Je vais me faire tuer, non, je veux pas être le premier kill. Putain! Vas-y, je joue bien d'habitude, ça m'énerve, mais j'aime pas. En fait, j'aime pas du tout les guerriers, moi, je suis plutôt soutien ou assassin en fait. Je voulais tester et bah franchement, j'aime pas du tout. Les hôtels sont enfin, en train d'apparaître. Dans le jeu, j'aime bien, mais être assassin. Non. Voilà, donc on ne peut pas taper l'idole. Pour la taper, il faut prendre les hôtels. Donc, vous voyez, il y en a deux qui vont bientôt apparaître. Et on inflige un certain nombre de dégâts à l'hôtel. Pardon, à l'idole. Selon le nombre de tours super, que l'on possède. De... Tiens, sort pour rien. C'est parti. Ce qui est plutôt intéressant. Dégage, dégage, dégage. Alors, je vais les avoir, eux.
Tes blessures te rendent faible. Sors-toi. Attends, y'a pas un truc avec A? Non. Bah non, ah c'est trop. C'est ça qui tu vas perdre, Seigneur. Ça se passe comme ça dans le Nexus. César Kangoo, ça n'est pas plutôt le jeu. Choisissez un talent. J'en ai déjà un talent. Oui, mais c'est tous les temps de niveau en fait. Dure plus longtemps. Virtuose, dure plus longtemps et réduit je sais pas quoi. Et réduit le coût en mana. On va perdre contre les bots. J'adore. Quoi? Parce que j'ai de la merde. Non, c'est pas toi le problème. Super. Parce que moi je joue dans. Faut jouer sur les objectifs hein, par contre. Quoi? Y'a pas. Et comment ça les objectifs? Mais je. T'as pas écouté ce que j'étais en train d'expliquer sur la carte? Bah non, je te parle en même temps. Ouais. Ah si, il faut détruire les putains de tourelles à la con, mais elles sont où? Tâchons d'avancer. Quoi? En même temps, on a pas de chance, on est tombé sur une map très compliquée pour une toute, en guise de première partie. Le camp de siège. Ah, mais il faut faire le camp de siège, non? Non. Les camps de siège, ce sont en gros la jungle dans Heroes of the Storm est assez particulière parce que pour chaque camp détruit dans la jungle, on se retrouve avec des petits mercenaires qui vont aller sur une line prédéfinie selon le camp. Là, comme je l'ai dit, donc il faut détruire les tours comme dans n'importe quel MOBA. Comment on fait le passif? Tu me laisses expliquer s'il te plaît? Ok, excusez-moi. Puisque t'es pas capable de d'écouter une première pardon. Fois, tu vas me laisser expliquer une deuxième fois s'il te plaît? Pardon, excusez-moi. Donc il faut détruire les tours comme dans n'importe quel MOBA, mais la particularité de cette carte c'est que quand on détruit une tour, elle passe dans notre camp à nous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas détruite en fait, elle est transformée. Sans perdre de temps. Mais le truc qu'il faut c'est que de temps en temps on va avoir des hôtels à les capturer, tu vois, le jeu fait des annonces, donc à toi de jouer avec le son, faire attention à la carte. Il va falloir aller capturer des hôtels, et l'hôtel va faire un certain nombre de dégâts à l'idole. Tu peux voir, regarde, il y a les PV de l'idole, donc notre idole à nous il lui reste 32 PV, l'idole rouge il reste 40 PV. Oui. Et donc on va faire un certain nombre de dégâts à l'idole adverse en fonction du nombre de tours que l'on possède. Faut protéger nos tours et les détruire les autres. Mais c'est ça. Ces tours, je les vois pas. Bah si, c'est les... Enfin c'est les forts en fait. Ah d'accord. Sur la carte, regarde, t'as des tours. Des petites tours comme aux échecs. Oui. Bah voilà, c'est l'effort. Super. Sans perdre alors, de temps. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Jaina, moi. Je sais plus les talents qu'il faut que je prenne. Bien choisi. Encore oh putain, ils sont tous là. Les hôtels sont sortis de terre. Descends. Faut que tu descendes, là. Ah, je descends. Bah descends où? Regarde ta carte. D'accord, ça y est. Je croyais que t'avais l'habitude de jouer au MOBA. Ouais, mais là ça me perturbe en fait. Enfin, ce qui me perturbe, c'est mon perso. Le temps que je gère pour mon perso. N'oublie pas que t'as une monture. Oui, c'est vrai. Je suis W. Oui. Tu vois, on a capturé l'hôtel, on inflige 4 dégâts. Bon, on oublie tout et on recommence. Ouais, il s'est reculé. Si vous dites... ouais, je vais aller pousser un peu le mid. Il ne reste pas grand chose pour qu'on ait le fort. Ça te soigne pas? Non, ça te soigne pas, super. Je comprends pas mes capacités avec ce perso. Faut... il y a une certaine portée en ça fait sur ton soin. Non, idée. Ouais, mais il était juste à côté de moi. Bah si, il était full life. Non, justement, c'est ça le problème. Bah t'étais pas dans la portée. D'accord, j'ai un temps de retard en fait, super. Hop. Faut aller où du coup? Ah, y a un truc qui clignote, faut y aller non? Non, c'est pour avertir qu'un camp de mercenaires a été capturé par l'équipe adverse. Va te faire soigner avant que ça finisse mal. Je t'accompagne ou ça se passe comment? Bah là pour le moment, on attend en attendant les hôtels en fait, il faut pousser sur les tours. Joli coup! Je me casse. Je me casse. Putain, je vais me faire buter. Si tu vas te cacher derrière tes tours, c'est mieux en fait. Sans perdre de temps. Je me barre, mec. Oublie pas que t'as le puits de santé. Hein. C'est
C'est-à-dire ? Bah t'as fait le tuto, non ? Oui, mais ils m'ont dit justement que je devais rentrer chez moi pour me soigner. J'ai rien compris. Ouais. Je vois ça. Ok, alors j'ai rien compris au tuto. Alors, bonsoir. Alors les puits, c'est ça, tu vois. Dans l'idée, tu peux cliquer dessus pour avoir une régène sur la durée. Mais il y a un CD dessus en fait, c'est à dire que tu peux pas le spammer. Bon, moi je te suis parce que j'en ai marre. Bah, dans l'idée, en fait, c'est à toi d'engager. Ah bon? Mais moi j'aime pas ça! Allez, un coup de F. Bah, c'est mieux? Ouais. Nous formons. Une tourelle! Oh. Alors, ça, c'est un des hôtels, justement, il vient d'apparaître. Il faut le capturer en faisant un clic droit dessus. Ouh, pas mal! Dommage que j'ai oublié mon briquet. Massacre. Ah, oui, donc moi en fait, je fonce dans le tas et. Ouais, prends l'hôtel par contre, s'il te plaît. Il est où l'hôtel? C'est ça? Ouais. Fais clic droit dessus. Dépêchons-nous. Et bah, je préfère vraiment jouer support. Non, mais vraiment. Moi, à la base, je croyais que tu voulais jouer Tyrande ou Lily. Hein, c'est ce que tu voulais faire à la base, je te signale. Oui, mais il ressemble à un dieu du métal. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? C'est un tauren. C'est pas un dieu. Oula. Il a pas aimé. Merde. Casse-toi. Mais non, mais toi, casse-toi. Je suis en train de te protéger, Baka. C'est pas mon rôle. Oui, mais ça sert à rien de sauter dans le tas comme ça. Bah si, comme ça, toi, tu peux te barrer. Mais non, on pouvait partir tous les deux, là, dans l'idée. Je joue un match de givre. C'est-à-dire que... Excusez-moi de vouloir te protéger. Dans l'idée, en fait, on peut partir tous les deux. Parce que je peux les ralentir, vu que je fais des... bloc de glace. Bloc de glace. Non, allez, la portée du... Voilà. Bon, et bah on va aller buter la tour. Ça devrait nous faire gagner un peu de temps. Les tours qui en face, c'est là. Oh, c'est ton familier, le truc de givre. Ouais, c'est mon ulti. C'est mon tiber. Oh j'aime beaucoup comparer Jaina à Annie en fait, parce qu'elle a des mécaniques. Les mécaniques se ressemblent pas mal en fait. Elle a juste au lieu du bouclier le bizarre. Un second sort aux autres. Ah, il y a un hôtel, il y a l'apparition d'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il y a deux hôtels. On capture la tour, comme ça on aura un bonus. Bon, je vais à l'hôtel. Oh, super, le bouquet final. L'hôtel, il va apparaître ici. Ouais, dans 15 secondes. Il sent bien. On a deux hôtels, on a deux forts capturés supplémentaires, ce qui va nous faire un bon boost sur les dégâts. C'est normal que moi j'ai des rollbacks. Des rollbacks? Du genre. Bah, tu sais ce que c'est qu'un rollback? Oui, je sais ce que c'est un rollback, mais il y a plusieurs genres de rollback. Bah, en fait, ça bug et ça me remet un petit peu en arrière. Non, là, ça me... Jamais été victime de ce genre de choses. Bah, alors c'est ma connexion qui déconne. Allez! J'arrive, je capture le premier hôtel. Ou ça se passe comment? Hop là. Avec moi! J'arrive. Ah merde, j'ai claqué mon petit pas. Allez, je prends l'hôtel. Et bah là, j'arrive. Massacre. Tes pouvoirs m'appartiendront. Tiens, y'a le boss là, faisons-le. Comme tous les autres. Ah, le boss, comme dans Warcraft, le truc de Noël. Exactement. Non, c'est Halloween. Pareil. C'est le cavalier sans tête d'Halloween. De la sans saint. Et pouf! Je vais mourir. Et voilà. C'est quoi pour me soigner? C'est eux. Bon, je me casse. Là, avec l'épée Vecta, t'as juste à aller dans. Ah merde, on a plus de puits. On a plus de fontaine de soins, si là. Une vague supplémentaire. Ok, vous êtes tous les gens. Ils viennent vers le bas, les IA. Ouais, j'ai ouvert un tunnel près de votre idole. Je vis ton centre du champ de bataille. Mobilise les cibles, je l'ai. Augmente les dégâts subis par les ennemis. Je me tâte.
à détruire un bastion. Si vous le dites... Contrôle, alors... Merde, ils ont récupéré un bastion en bas. Bah, ils ont récupéré tout leur bastion, en fait, tout simplement. Ah putain. Ah putain, vous êtes pas venus. Super. Eh oui, mais faut faire attention à pas foncer dans le tas toute seule. Oui, bah, je vous avais dit de venir. Ouais. T'étais censé venir. Ouais, ouais, mais j'étais occupé. Moi, je fais confiance. Moi, je fais confiance, tu vois. Mais il faut pinguer dans l'idée si tu veux que les autres viennent, parce qu'ils t'entendent pas. Bah, c'est des IA, ils te suivent. Non, non, non. On joue avec des joueurs. Ah, on joue contre l'IA, mais avec des joueurs. Moi, j'avais pas compris. Je vais m'en occuper. Oh là là. Je vais mourir. Il y a encore des hôtels à voir. What? Ils sont tous en bonne. Ouais, j'y vais, j'y vais. Bastion détruit. Non, vous allez prendre alors, les hôtels. Il y en a deux. Avec moi, deux sur l'hôtel de gauche. Son royaume se retourne contre toi. Trop tard. Alors, c'est le fossoyeur. Par là. Tu n'es plus le bienvenu ici. Elles ont capturé les deux hôtels. Merde. Ce royaume est à moi. À moi. À moi. Quoi? Mine, mine, mine. Putain, mais ça fait le troisième rollback. Enfin, freeze et ça me rollback. C'est chelou parce que. Reste pas au milieu. Je pouvais pas bouger. Ouais, bah, franchement, j'ai des bugs. Je peux pas non, bouger. Non, t'as utilisé ton ulti en fait. C'est normal que tu peux bouger. Ah oui, je suis con, RC, c'est l'ulti. Oui. Oui, t'es con. Sur merde. Ça taunte. Vous avez perdu un bastion. Sans perdre de temps. Ouais. Ah, mais c'est là, dans Hearthstone, d'ailleurs. Quoi? Mon perso. Il y a une carte ETC, oui. Ça me paraît bien. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de Tauren dans l'histoire. Non, je parle de ton personnage à toi. Ah, Jaina, oui, bah oui, oui. C'est un personnage emblématique de l'univers de Warcraft. Hein. Excuse-moi, hein, moi je connais pas vraiment, tu vois. Ah, ouais, mais si t'avais regardé mon let's play sur Warcraft 3, hein, tu le saurais. Eh ben, voilà, comme ça je me fais de la pub clandestine gratos. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc j'ai le droit de me faire de l'autopub. Maintenant, c'est notre chaîne. Oui, non, mais je sais bien, c'est pas à toi que je fais la remarque. Ça me paraît bien. Ouais. En fout, l'épisode, on va l'appeler hashtag pub. Ouais, mais putain, je suis con, moi. Je rigole, mais ils sont tous en train de me voir. Oui, tu es si vous dites deux coups de filet. Repose-toi donc. Tellement cher. Quelle exécution. Ah putain. Voilà qui devrait changer la donne. Ils méritaient tout ce que vous leur avez fait. Massacre. L'ennemi. Continue comme ça, partenaire. Ce royaume sera à moi. Et à moi seul. Tu veux que je te soigne? Oui, s'il te plaît. Mais putain! Qu'est-ce que tu fais? Mais connard! Je te dis d'aller là, je te dis pas d'aller de l'autre côté! Putain, moi bon, attends, j'arrive. Bouge pas! T'as soigné? Ouais. Loué soit la lumière. Jouer. Bastion détruit. J'ai trouvé ça agréable cette carte. Mais... Un peu frustrante du fait qu'une fois que t'as poussé l'effort, bah. Il faut réussir à les tenir quoi. Si vous le dites. D'ailleurs, faudra récupérer les forts en haut. Dans l'idéal. Bon, on y va. Ouais, je suis en route. Creuser et hop. Sinon, il y a le boss à faire. Il est dispo. Il est où le boss? C'est le truc en. Avec moi. Doré. Alors, tous les trucs jaunes sur la carte, ce sont des camps de mercenaires en fait. Je vais m'en occuper. Et chaque icône correspond à un type de mercenaire en fait. T'as des petits mercenaires, des moyens mercenaires, des boss, enfin ça dépend des cartes après. Attends, je vais en haut. Tu as pas la monture? Voilà. Ça me paraît bien.
encore plus en haut. Comme dans tout MOBA, hein, la clé ça reste de regarder la carte. Oui, c'est ça. Oh, il y a trois hôtels d'un coup. Je vais sur un. C'est parti. Comme dans... Bravo. Comment ça, talent disponible? Ah. Ah merde, y'a... Ah putain, connard! Et comment il savait que j'étais là, ce putain de pote? Bah ouais, lui aussi! Oh là là, le truc il m'a foncé en ligne droite dessus quoi! Mais moi il m'a tiré dessus, j'ai rien capté, je suis trop conne! Vas-y, ça me saoule! Ton heure est venue, Seigneur Corbeau! Trop blason là! Ça me fait c'est penser au bot de League of Legends, mais de toute façon c'est bon. C'est tout? Ah, il reste un PV au truc quoi! Ah, il reste un hôtel à prendre? Tirer sur le fossoyeur. Ok, tant pis. Détruisez-la. Qu'est-ce que... Je voulais dire un truc. Tant pis. C'est pas grave. Bon après, je joue un support, hein, parce que franchement, c'est de la merde. Ouais, mais de toute façon, on faisait juste une petite vidéo découverte. Confrontation. Entre guillemets. Sachant que là vraiment entre guillemets on n'a pas eu de chance parce que c'est on est vraiment pas sur une map classique, parce qu'il y a des cartes un petit peu plus classiques à la Dota. Qui sont préférables je trouve pour commencer parce que celle-ci en soi elle est plutôt compliquée. Il faut vraiment gérer toute la map entièrement en permanence. Tu veux de l'aide? Ah oui, ça y est, je me souviens ce que je voulais dire. Les bots qui me blasent un peu comme dans League of Legends où tu sortais du bûche et le bot il avait 0,25 de secondes de temps de réaction au moment où tu sors du bûche, c'est-à-dire que t'as pas le temps de sortir. Enfin, c'est n'importe quoi. Et les réflexes totalement surhumains des bots. Mais dégage! Fuis! Y'a pas de puits? Ok. C'est parti. Pourquoi il attaque le puits, ce couillon? Je t'ai pas lu le puits, moi. Non, pas toi, le mec qui est à côté de moi. Vous avez perdu. Et ce qui est quand même cool dans Heroes, c'est que les sorts font des dégâts autour. Je vais m'en occuper. Ouais. Nous y sommes presque. Bon, hôtel, j'y vais. Jouer. Ils sont là dans 20 secondes, hein, donc vas-y pas trop tôt. Tu risques de te faire défoncer la tête en arrivant trop tôt à l'hôtel avec les bots qui campent en attendant. Okay. J'en ai quand même sur le niveau adepte des... Je sais pas, il y en a 2-3 là. Donc c'est... Des bots... Oh putain! C'est l'heure, héros. Emparez-vous des hôtels. Sans perdre de temps. Par le camp de mercenaires à côté. J'ai pas compris. C'est pas juste là. Ouais. J'ai dégoûté. J'avoue. Bon, bah voilà, c'est gagné. Malheur, fossoyeur. Tu vas perdre, Seigneur Corbeau. Ça se passe comme ça dans le Nexus. Victoire. Yeah, victory. Yeah. Bon bah voilà. Comment ça t'a quitté la partie? Ça s'est pas trop mal passé. Donc on a voilà le petit bilan de partie qui vous indique un niveau de votre niveau d'invocateur entre guillemets, enfin votre niveau de joueur et votre niveau de héros qui vont monter distinctement en fonction des parties que vous allez jouer. Et chaque comment dire? Chaque héros aura sa propre jauge de niveau, ses propres bonus. Par exemple, on va regarder, vous voyez, par exemple, ma prochaine récompense, bah, c'est une variante de modèle, c'est-à-dire je vais pouvoir changer la couleur de Jaina si j'ai envie. Mais c'est pas applicable sur d'autres. Par exemple, vous voyez, Tyrande elle est niveau 8, bah, j'ai déjà les variantes de couleur dessus, etc. Sachant que le petit prototype made in My Little Newbie, ça va être de jouer tous les personnages gratuits quand vous commencez et de les monter si possible niveau 5. Parce qu'au niveau 5, vous avez un petit bonus de 500 gold qui est plutôt appréciable.
étant donné que vous avez vu, on gagne assez peu d'or en fin de partie. Et c'est pas pour vous encourager à rester en permanence, à farmer comme des brutasses, non, c'est plutôt pour vous encourager à jouer juste de manière entre guillemets ponctuelle, on va dire, et de gagner votre or via les quêtes journalières. Avec une magnifique quête buggée ici. Et évidemment, vous gagnez également des PO en montant votre niveau d'invocateur. Voilà, Attachi a fait 3 niveaux sur une seule partie. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures sur My Little Newbie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez des idées, des défis à nous partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager à votre entourage, ça fait toujours plaisir. Et puis on vous donne rendez-vous pour la suite prochainement. Salut. Yeah.